Salut, c'est Koldo comme d'hab. Et du coup, bah, on est sur Uncharted Territory 3 pour un nouvel épisode, toujours dans Imperturbed. Du coup, bah ouais, c'est parti. Hein. La dernière fois, du coup, on s'est arrêté là. Et bah, pour cette fois, on va continuer à partir de là. Bonjour. Oh, c'est le temps de spawner, zut. ramène-toi. Merci. Ici, encore, on en a un. Allez, allez, on se ramène. Voilà. C'est en train de spawner de toute façon à l'intérieur, je crois. Ok, j'en vois un encore au fond. Ok, ça vient de spawner juste là. Ouh, ça va être chaud, ça, un petit peu. Voilà. Hop. Pif, paf, pouf. Ça marche bien, ça. Je commence par éclairer là. Hop. Ça c'est gênant ça. il me semble avoir vu des flammes dans le sol, mais je suis pas sûr de voir. Salut. Il me semble avoir vu des flammes dans le sol, mais je suis pas sûr de moi. Donc du coup, je suis en train de demander s'il n'y a pas planqué les spawners derrière l'obsidienne. Et si c'est le cas, c'est fourbe. Ah, ça continue à spawner, c'est le spawner qui est juste là. J'ai plus de flèches. Et on peut pas l'attaquer par haut, ce truc-là non plus. Et hop, on tombe. Voilà. D'accord, bon bah j'ai plus de flèches, ça c'est cool. Zut. Bien entendu, absolument. Alors du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que ça et ça déjà. Voilà, que ça va limiter. Ok, d'accord. Ça s'étend par en haut. Ça c'est pas cool, ça les gars, sans déconner. Un pont que j'avais mis tant de temps à faire, enfin un pont, une protection, d'accord. Donc c'est bien ce que je pense, ça tombe d'en haut. Oh la vache, il m'a fait peur lui. Il va falloir aller s'amuser à explorer ce qu'il y a en haut en fait. Le truc c'est que ça va être super chaud. Déjà il va falloir désactiver absolument ce spawner là, là. Parce qu'il est gênant. Ça du coup j'éclairerai rapidement. Comment est-ce qu'on va faire ça? Oh la vache. Ça va être chaud. T'en vas, merci. Toi aussi. Ah, bon bah petite baisse de FPS pendant qu'on y est. Ouais, j'ai des petites baisses de FPS, je sais à quoi c'est dû. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, je suis en train de faire des gros déplacements de fichiers à côté de en même temps que je joue. Je cogitais un petit plan d'attaque aussi rapidement et puis voilà. Bon, voilà, c'est bon, le déplacement de fichiers est terminé. Donc normalement, ça devrait être cool. J'ai absolument rien fait d'autre que d'attendre, donc voilà. Alors déjà, première chose que je vais faire, c'est ceci. J'ai réfléchi un petit peu à un plan d'attaque. Et j'aimerais bien, si possible, passer via les échelles, en fait. Voilà, et ensuite comme ça, passe par ce côté-là. Voilà. Tout. Voilà. Toi, tu pars. Toi aussi. Merci. Toi aussi. Toi aussi. Merci. ça marche bien. Ça marche bien. Pas bien ça les gars. Non, 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 non. Pas bien ça. Pas bien. Non, non, non. Pas bien, j'ai dit. Voilà. Non mais oh. Hein? Pif. Voilà. Pouf. Ok. Ensuite, là-haut, je vois encore un spawner. On va continuer de grimper et c'est là que je regrette d'avoir déposé les échelles. Ah, plus de ça, je passe par le mauvais côté quoi. C'est là que je regrette d'avoir déposé les échelles que j'avais tout à l'heure. Ceci étant dit, c'est pas grave, on va juste en économiser comme ceci par exemple. Voilà, on utilise le strict minimum. D'accord. Ça j'éclaire du coup. Ah, il y a un coffre là.
Ouais, bah plus d'échelle quoi, donc bah je vais faire ça avec des blocs, tant pis. Tac, comme ça, et zut. Par là plutôt, déjà je vais éclairer aussi, tiens, pendant que j'y suis, hein, après tout. Mais déjà au moins ça c'est cool, parce que ça rend la zone beaucoup plus tranquille. Pas faire, qu'est-ce qu'on a là? Oh, excellent! Des œufs de creeper aussi, c'est cool. Place 3, bon bah ça je vais mettre, hein, parce qu'après tout, vu la zone dans laquelle je suis. Bonjour! La tête. Bon bah ça c'est cool. La tronche quoi. Et là en fait c'est un spawner creeper. On a quoi au-dessus? Ouais, donc du coup vaut mieux que je le casse, que je pourrais pas m'en servir pour une ferme. Donc voilà. Parce qu'en fait avec l'obsidienne qui est autour, tout ça, ça veut juste être long et stressant à nettoyer, donc tant pis. Je m'en servirai pas de celui-là. Juste pour voir, tiens. La nourriture aussi, il me faudrait. Et du coup, on a deux spawners ensuite qui sont là. Pif. Bombe. On va les comment ça, détruire. Voilà. Comme ça, au moins, tout ça, c'est tranquille. Maintenant, du coup, il ne reste plus qu'à les tuer, ceux-là. Pour ce faire, une solution. Ouais, je vais les... Ah non, tiens, attendez, j'ai des torches en redstone, donc c'est encore mieux. Sayonara! Ah, ouais, non, bah oui, bien entendu, ouais. Tant qu'à glitcher, après tout. Bon, bah... Sayonara, deuxième tentative. Voilà. Et il en reste encore en fait, donc Sayonara que dalle. Sayonara épisode 3, la revanche du Sayonara. Ok. C'est bon là? Ouais. Ça y en a encore? Non, non, ça va. Du coup, hop, ça déjà, je resécurise rapidement. Bonjour. Là, non, voilà. Bonjour, non, 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 voilà. ensuite, ça comme ça, voilà. Et c'est bon, la zone est tranquille maintenant. Enfin, la zone, le début de zone, quoi. voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite du coup? Ah, pour le coup, ça aurait peut-être été pertinent de faire un coup de Sayonara, mais j'ai gardé des TNT au cas où. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, paf, et ça plutôt. Ouh, c'est pas cool ça. Ici, un passage. C'était pas là que je voulais le poser, mais c'est pas grave. Aïe, bon, bah, ça c'est cool. Non, c'est pas ça non plus que je voulais faire. Et zut, oh, ça m'énerve. C'est pour ça que j'aime pas les potions de splash. Meurs. Ok. Bon, j'ai des torches après. Ah, on meurt, merci. Ici, tiens, là, il y en a un. Où est-ce qu'ils sont apparus? J'espère qu'ils me sont pas apparus dans une, enfin dans le dos ou autre. Première vue, non. Hop, voilà. Ça aussi, c'est éclairé. Tiens, par là, il y a encore des trucs. Tiens. Tac. Limite, tiens, je récupère un petit peu aussi ce qu'il y a ici. Les blocs, parce que j'en ai pas tant que ça, donc tant qu'à faire, autant en récupérer un petit peu. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on ait attaqué par là. Du coup, pour ce faire. Voilà. Du coup, il y en avait d'autres, je crois. Voilà. Oh, le fourbe.
Meurs, merci. Voilà. Vache. C'est chaud. ça, je peux récupérer du coup, encore une fois. Je récupère aussi pour pouvoir me mettre au même niveau. Enfin, me mettre légèrement en dessous eux et les taper sans qu'eux ne me voient en fait. Et hop. J'aurais bien si possible, sachant que je suis surtout mort à cause de Creeper jusqu'à présent sur la map. J'aurais bien si possible ne pas mourir du tout sur cette zone-là, tiens. Ce sera un petit accomplissement personnel, tiens, pour le coup, voilà. Allez, on meurt, s'il te plaît. Là-bas. Décède! voilà. Ça, je sécurise. Paf. Ok, on va finir de poser un petit peu d'éclairage, comme par là, parce qu'on sait jamais. On progresse hein, tranquillement, mine de rien. Youhou. Bon. De toute façon, cette zone-là, je vois pas trop comment est-ce qu'on peut y aller autrement. Hein. C'est. Faut y aller tranquillement, quoi. Donc, autant prendre son temps et bien et faire ça bien. Voilà. Hop. Ouf. Non. Voilà. Pas cool. Pas cool. bah tiens, bah pour le coup, là, voilà. Hein. Alors tiens ça déjà, voilà. Sayonara! Bon voyage. Petite référence à Zizou. Voilà. Que ça fait le ménage. Voilà. Hop. Pif. Et pouf! Voilà. Comme ça ici c'est safe. Ok. J'éclaire encore un petit peu. Prendre les escaliers pendant que j'y suis. et en fait c'est surtout pour pouvoir les reposer mieux. Enfin c'était reposer là déjà. Donc à la limite j'aurais pas dû les péter. Mais surtout ici, parce que du coup ici j'en ai plus. Parce que les explosions j'ai tout cassé. Voilà. Ça c'est plus propre pour pouvoir passer, ce sera mieux. Bon, bah ici du coup c'est reparti pour un tour. Torche comme d'habitude, je vois un squelette aussi, juste pas de flèche, c'est dommage. Alors ici je vois un passage. Nice. Ouf. Vache. Déjà ça. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Chaud. Chaud, chaud. Chaud, chaud. Chaud. Chaud fruit exotique. Voilà. Encore une référence. Hop. Voilà. Toi, on meurt, s'il te plaît. Nice. Allez, s'il te plaît, on continue de mourir. Ici. Bon, du coup, dans l'histoire, je suis désolé pour le niveau de. Enfin, le commentaire qui est pas très, très. Comment dire. Habituellement, j'arrive à donner du commentaire à peu près construit, mais là, je suis tellement concentré sur les creepers que. C'est même pas la peine. raté. Voilà. Ça c'est fait. On continue d'éclairer. Non, là-bas. Non. Lui il commence. Et là-haut. Non. 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 Nine. ça j'éclaire ici. Ok. Donc il y en a un qui se planque juste derrière là en plus. Je suis sûr de moi. Ouais. Bienvenue. Que dalle par là, non, ça va. Ici, on a un petit passage. Bonjour. Ouais. Voilà, merci. Ça, comme d'habitude, je casse un petit peu d'abord. Voilà. Ok, donc ils sont par là, les prochains. Normalement, là, ils ne me voient pas. Il y a eu très bon truc encore par là. Hein. Alors, ça, déjà, je peux déposer. Ça, je veux bien. J'ai énormément de blocs en fait là maintenant sur moi. Je vais pouvoir déposer ça.
Ouais, j'ai limite trop de trucs. Bah, il y a des bons trucs, mais bon, pour le moment, je vais m'abstenir d'en prendre. J'ai déjà pas mal de bon stuff sur moi. Et lui, il attend paisiblement. Bonjour! Ça va? Ça va? Des fois, colère. Je les imagine bien avec une voix comme ça, enfin, les creepers un petit peu. C'est une voix qui pince un petit peu pincelinée ou autre. Je sais pas trop pourquoi, en fait, mais bon. Si ce serait un personnage de cartoon, c'est. Enfin, si c'était d'ailleurs un personnage de cartoon, parce que voilà, tant qu'à faire, autant parler le mieux possible. Plus beaucoup de torches. Paf, je vais faire ça. Comme ça, ensuite, je vais m'en refaire quelques-unes. Voilà. Là, boum, ça au moins, ça s'est fait. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est bien. Et on va continuer de torcher. Et cool, c'est la fin de cette partie-là du coup. Voilà. Ça peut péter. Donc de nouveau un passage comme ça. Ça c'est cool ça. Ok. Bon, et dire que c'était qu'un bâtiment. Bah ça continue alors. Hein. C'est parti. Ok, donc on est là. Donc en fait on a fait celui-là, celui-là. Bah il reste que celui-là je crois. Je m'attends à ce qu'il nous file la laine, sincèrement, dedans. Je pense pas qu'il nous la file ailleurs que là, la laine de cette zone-là. Donc, zut, j'aurais pas dû casser aussi vite que ça le truc. Est-ce que d'abord, juste prendre mon temps de faire ça bien en fait. Du coup, voilà. Ça va faire ça plutôt. Ça aussi. Je vois du verre là. C'est comme pas la laine déjà. Non, ça n'a pas l'air d'être de la laine, il n'y a pas de briques. Voilà. Là, de toute façon, il n'est pas trop chaud, il va falloir rentrer. Mais d'abord, je sais quand d'éclairer le plus possible. Là, j'aimerais bien poser une là. Voilà. Ouais, toi, je t'ai vu tout à l'heure. Hop. Ici. Non. Merci. Et ici aussi, pas de spawner en haut. Alors à première vue, il a pas l'air d'avoir refait le coup de tout à l'heure là. Donc c'est cool ça déjà. Ensuite ça, du coup, on va éclairer, on va profiter des petits trous qu'on a un peu pour poser quelques torches. Bonjour. Ok, bon on va continuer à passer. Paf, alors là il y a un spawner un petit peu plus loin, j'ai vu. De ça, voilà. Non, pas là. Là. Voilà, toi tu prends tes coups. Merci. Safe. Pas safe. Pas safe du tout. Au-dessus, c'est. Ici. Voilà, nice. Avec une petite baisse de FPS hein, dans l'histoire, mais bon. C'est pas trop grave. Et. Ok, donc à première vue, ça a l'air ok. Glowstone, slowness, résistance. Ok. J'ai énormément de gunpowder sur moi. Je vais me faire quelques torches de plus, histoire de gagner un petit peu de place. Bah non, en fait, je vais même pas gagner spécialement de place, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, on saura qu'il y a des slowness, résistance par là. Je sais pas si ça peut vraiment être utile. Mais je vais mettre ça là pour le moment. Hop. Ok, donc après. Ici, du coup, il a sécurisé ça, plus ou moins, on va dire, déjà d'avance. Parce qu'il nous a mis une échelle. Du coup, on n'a pas de mob qui peut venir nous déranger. Par contre, ça sent le. Ah, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus que ça, tiens. Je pensais qu'il allait mettre plein de mobs directement ici, en fait. Mais non, même pas. Ça, il est pas fourbe à ce point-là. Je retire ce que j'ai dit. Ça déjà. Eh hey, tête de nez. Hey. Oh, comment il trace lui là-bas. Ok. Je pense que ça veut tout dire. Hein. Voilà. Ok,
Donc eux, là, ils sont bloqués, donc l'important serait qu'ils nous pètent pas à la tronche. Ici, on va faire ça rapidement. Voilà. Ça, c'est sécurisé, plus ou moins, on va dire. Hein. Ici, pareil, je vais juste refaire ça, parce que j'ai vu qu'il y avait un spawner, donc je veux pas que ça puisse spawner là-dessus. Donc déjà, ici, on a un problème. Voilà, un problème de moins. non, j'essaie de les finir tranquillement. Voilà. Je crois qu'il y en a encore un, deux. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est plus un souci. Alors ça, du coup, comment est-ce qu'on va faire ça? Il faudrait... Oh, oh la vache. Il me faudrait ceci. Voilà. Et maintenant ça, comme ça au moins ils pourront plus passer. Voilà. Ils spawnent de par là en fait. Ouais. Ouh, le nombre de spawners qu'il y a, la vache. Il a pas eu peur là par contre pour le coup. On va faire ça rapidement. Allez. Ah zut, j'ai cassé ma torche. Bon, on va essayer de passer. Là-bas, ça va, ils peuvent pas m'atteindre. Ok, c'est cool. Bon, ce morceau-là est sécurisé déjà. Par contre, je sens que c'est ce qui va être après, qui va être assez chaud. C'est un escalier, ouais, c'est un escalier. Bon, du coup, j'ai sécurisé l'escalier déjà, ça c'est cool. Ok. Oh la vache. Voilà. Ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Ah, ça fait un petit peu de ménage déjà. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est tuer celui-là et ça déjà. Voilà. Comme ça, je suis tranquille jusqu'à là. Voilà, ça aussi, ce que j'ai vu un spawner un petit peu plus haut. Ça, c'est quoi ça? D'accord, donc il y a encore un escalier après ça. Déjà, ceci. Voilà. Ensuite, cela. est-ce que j'ai des escaliers encore sur moi? Ouais. Ok, je vais en reposer. Tiens. Donc, j'y suis. Voilà. Parce que, de toute façon, les mobs ne peuvent pas spawner sur les escaliers, donc ça craint rien. Oh là 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 là. C'est quoi ce délire? Je vois de la TNT à ma gauche. Non. D'accord. Oh là 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 là, c'est assez chaud. C'est ça que je veux en fait depuis tout à l'heure, c'est des blocs pour pouvoir mettre plus ou moins en sécurité, comme ça, voilà. Et avoir des petites baisses de FPS pendant qu'on y est. Je récupère que la gunpowder depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Non! Je ne suis pas mort! Il y a encore la TNT qui vient de tomber. Ça va, une seule. Bon. On va continuer comme ça, tranquillement, ce rythme-là. Ok. C'est du gros n'importe quoi ces creepers là. Aïe, pas cool ça. Donc c'est vrai qu'il y a un spawner au-dessus. Nine! Ah! Kaine coûte! Je sais même pas si c'est comme ça que ça se dit d'ailleurs. Non! Ah! Non, 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 non. Elle a du drone. Ouais, voilà, il va mettre cette TNT ici et c'est la TNT piégée. Merci! Bon, paf, 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 voilà. Ici c'est à peu près clair. C'est pas là que je vais les poser, mais c'est là, là. Non. Pourquoi est-ce que je peux pas les poser sur le bloc du fond, voilà. Ok. C'est chaud. ça, je vais casser du coup.
Bon, bah, toujours pareil, hein. Ici, comme ça, voilà. Allez, s'il te plaît, tu meurs. Voilà, nice. Voilà, la vache, comment c'est chaud. Plein de creepers partout. Normalement, ça devrait être suffisant, j'espère. Ouais, c'est bon, parce qu'on avait de l'obsidienne au-dessus. Donc, ici, ceci. Bonjour. Bah tiens, pour le coup à la limite, hein, pourquoi pas après tout. Ouais. Ah, c'était peut-être pas nécessairement intelligent. Du coup, je crois que je viens de faire sauter ma défense en fait. Non, ça va encore. Pif paf pouf. Ah, c'est abusé. Je vais essayer de débloquer, mais pas réussi. Voilà, ça c'est sécurisé jusqu'à là déjà. Ici on a un creeper normal. J'en ai entendu un tomber, je sais pas si c'est pas derrière moi. Non, ça va, c'est pas derrière moi. Je posais des torches en haut parce que j'ai l'impression qu'il tombe de quelque part. Ils sont complètement chelous ceux-là. ok. Maintenant, hop, on va faire ça, comme ça normalement la suite est à peu près tranquille. J'éclaire bien de partout, parce que dans le doute on sait jamais. D'accord, là on a un coffre piégé. Soit en passant, parce que comme vous pouvez le voir, c'est le type de coffre piégé. Ça va, j'ai tué lui. Voilà. C'est bizarre qu'il meurt dès qu'il spawn. Il doit y avoir de la lave ou du feu ou un truc comme ça. Voilà. Bon, ça c'est un coffre piégé. Dispenser. Merci. Voilà, le dispenser était pas piégé par contre, mais je m'attends à ce qu'il y ait un autre piège. Non, ça va. Voilà. Ok, donc ça, ok, c'est bon. Désolé, petite coupure, c'est reparti. Allez! Il y en avait un deuxième. Mec, ceci étant dit, je vais devoir m'arrêter là pour le moment. Du coup, cet épisode va reprendre, ne vous inquiétez pas, c'est juste que moi je vais m'arrêter parce que il commence à se faire tard, il y a des gens qui dorment, je m'étais même pas rendu compte de l'heure. Du coup, bah, pour le moment, moi, je vais m'arrêter là. Mais après une courte petite coupure, et bah, on continuera la map. Où est-ce que j'étais? Ok, d'accord, c'est bon, je reconnais. Pour vous ça fait 2 secondes, pour moi ça fait ouais bah ça fait une journée. Alors juste rapidement par contre, paf, voilà, est-ce que ça j'avais baissé ça. Je viens toujours de terminer l'enregistrement du premier épisode des discussions de Goldeo. Du coup j'espère que, enfin, vous verrez sûrement cet épisode très longtemps après, mais bon, j'espère que ça vous aura plu. oh non, c'est mort. Mais pas un deuxième, non, ça va. Voilà, ils peuvent plus passer. Ouf. Qui peuvent toujours s'agiter, on va dire. Hop, on va mettre celle-là comme ça. Voilà, c'est normal. On est peinard. Ensuite, ça, voilà, pif. L'XP qui était tout partout par là, elle m'énerve. Voilà, j'ai tout récupéré. ouais, donc du coup, maintenant ils sont derrière. Okay. Bon, ça c'est cool. Déjà, je peux éclairer un petit peu. Je commence déjà par bloquer ça ici. Là, ils peuvent quand même passer apparemment. Non, il a l'air d'être tombé. Je sais pas si c'était ce qui était là, là. Ça, c'était pas lui. Cool, ok, d'accord. Il en a plus ici, donc ça, c'est bien. Ok. Il va falloir y aller tranquillement. Hop, voilà. Ça, du coup, je vais récupérer. C'est un petit peu chaud comme zone, hein. Ouais, je me souviens, j'arrêtais pas de dire ça hier déjà. Parce que ouais, du coup, enfin, ouais, j'ai surmentionné, mais hop, on est le lendemain, du coup. C'est moi ou le fait de lui envoyer une flèche, il a perdu l'électricité? Ah non, j'ai rêvé. Je me disais aussi, ça aurait été bizarre quand même. Juste casser ça rapidement. Voilà. Et meurs, s'il te plaît, merci. Il y en a encore un derrière. Ouais. Voilà. Il n'y en a plus maintenant, je crois. Ok. J'en vois un déjà là. Là, il a pas explosé.
Tac. Voilà. Ok, d'accord, il y en a encore derrière qui m'attendent. Ce que je dis. Ok. À travers le mur, en fait. Donc, d'accord, ça paraît dans les murs, en fait. C'est pour ça qu'il meurt depuis tout à l'heure. Je vais prendre un petit peu de hauteur. Waouh. Ça va être assez chaud. Oh, en plus, c'était comme ça. Est-ce que tu pourrais dégager, s'il te plaît, rater? Rater encore. Je sais pas s'il est pas mort. Si, je crois qu'il est mort. Waouh. Bon, bah là, j'ai pas trop le choix, hein. Paf, pouf. Tac, voilà. Alors, ça les a tous tués, c'est cool. Non, pas tous. C'est tandis, ça, du coup, maintenant je peux faire ça. Ensuite, je vais faire ça, voilà. L'éclairage, je crois ici, ne s'est pas barré. Non, c'est mon choix de torche. Voilà, j'en ai vu un en dessous de moi, donc je vais le tuer rapidement. Voilà, comme ça, au moins, lui, c'est fait. C'est pas cool, ça, par contre. Spawner juste là. Voilà. Il y a une TNT juste au-dessus là. Est-ce que je peux la taper de là? Non, je peux pas. Par contre, je peux la déclencher, tiens. Donc, hop. Déclenche, allez. Non, je peux pas, tant pis. Bon. Va falloir avancer très 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 lentement comme ça en cette zone là. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Du coup, bah, je suis désolé si c'est pas excessivement passionnant. Mais bon, je peux pas vraiment faire autrement. Faut que j'en fasse péter en fait. Allez! Oh! Voilà, pour ça en fait. aïe! Oui, d'accord. Ah, c'est... Oh là là! Comment j'ai pu me sortir de ça? Oh la vache! Oh la vache! Alors là, j'ai flippé là! Waouh! Et zut, en plus, ça veut pas péter le spawner là-bas! Ouais, voilà, tant pis! Pas grand choix, mais je vais passer par en haut! On va essayer d'éclairer le plus possible la zone quand même! Comme ça, hop! Ça je casse, zut. Voilà. C'est quoi ce délire là? C'est un creeper qui est juste en dessous celui-là. Tiens, pour le coup, par contre, là, ce que je peux faire, à la limite, c'est ça, ouais. Yep. En espérant qu'il bouge pas trop. Ah, si, genre, du coup, il a bougé, tant qu'à faire. Oh, jeune insolent, va. non, c'est pas ça que je voulais faire, zut. Tant pis. Ah, si ça me pète à la tronche, en plus c'est cool, comme ça va bien me tuer. hop, on n'oublie pas l'éclairage. On a encore plein d'autres blocs derrière, donc c'est vrai, c'est cool. J'aimerais bien récupérer ça. Bon, bah non, alors tant pis. ok. Donc, du coup, ça à la limite, on va laisser ça sombre. Comme ça, s'il pouvait spawner derrière ce mur-là, serait bien. Plus de torches, par contre, je vais m'en refaire un petit peu. Paf, oh! Ça commence à prendre cher un petit peu mon équipement là. Là, c'est pas cool. Bon, je pense que la suite, du coup, elle est par là, logiquement. J'ai juste envie d'aller voir comme ce qu'il y a après. D'abord, tac, on éclaire bien. D'accord, donc là, ici, c'est sombre. Hop, juste mettre ça vite fait. Ici j'en pose une aussi. Non, donc il n'y a que dalle après. Donc maintenant, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est sécuriser ça comme on peut. Comme ça, déjà pour commencer. Voilà. Ici je vais faire ça. Non, non, pars. Non, pars, s'il te plaît, pars, pars. Ah, ah, c'est cool. Là, normalement, du coup, ils peuvent plus aller là, donc du coup, c'est bon. Ce passage-là est sécurisé. Voilà. Ah, plus ou moins, mais bon.
Voilà. Au moins je peux passer, c'est ça qui est cool. Bon, bah du coup, bah ça c'est fait. Après alors. Ok, donc ça j'aime pas du tout. Alors est-ce que c'est même délire qu'avant, donc plein de creepers encore ou... Ok, donc là par là c'est safe. Pff, ça c'est pas cool ce... Ici on a une barrière. Ok, donc ça c'est pour m'empêcher de back correctement. What? C'est tout? C'est qu'une barrière sur... Non. J'ai pas fait tout ça juste pour ça. Ou alors c'est peut-être une sortie de sécurité. Ce qui veut dire que la suite de la map c'est... bah en dessous en fait. Donc il faut continuer tout droit. Et ouais. Ah, ce serait ingénieux tiens si c'était ça. Je pense que c'est ça. Enfin une sortie de sécurité. Ah, c'est pas totalement une sortie de sécurité. D'abord juste faire ça rapidement, voilà. Bon, ça tombe bien du coup que j'ai fait tout mon pont, parce que du coup je pourrais faire un petit pont en brique jusqu'à là-bas. D'accord, donc ouais, donc ça c'est. Donc ça veut dire qu'à mon avis la suite c'est quelque part par là alors, mais où? Par là, oh il y a des escaliers qui descendent encore par là, d'accord. Je vais me servir de ces blocs-là. Paf. Voilà, on va laisser spawner à la limite dans le, dans ce qui est en dessous les, en dessous mon petit chemin en fait. Ça par contre c'est un petit peu dangereux si jamais ils viennent de par là. Mais voilà, comme ça au moins c'est à peu près safe ici. Oh pff. Voilà. Oh là là, il y en a encore plein. Oh. Bon, j'ai une solution. J'ai une solution zistonienne, voilà. Je pense que du coup certains sauront déjà de quoi je parlais. Pour ceux qui savent pas, Zisto, comment dire, dans ses, dans ses, comment ça s'appelle, dans ses runs sur des maps super hostiles ou sur des maps CTM, s'est forgé deux alliés de poids au cours des années. Le premier étant la pancarte, d'où le fait que vous trouverez constamment des Estonian Battle Sign sur, oh j'ai trop bien prononcé, sur les maps super hostiles. Des pancartes de baston en asisto en fait du coup traduction française hein. Et la deuxième arme de choix qui s'est fait du coup s'appelle un seau de lave. Donc du coup bah je vais me faire ça, ce qu'il nous a pas filé là, non il nous a pas filé de bois, c'est du bois que je cherche en fait pour me faire du une table, mais je crois que je vais devoir retourner assez loin. J'ai essayé de trouver comme de quoi me faire vite fait mon. Enfin, un seul neuf si je peux. Par ici, il n'y a que dalle. Tout. Parce qu'il y a de la lave partout sur les murs, donc je pense que je dois pouvoir en prendre. Derrière les barrières, je veux dire. Donc, tiens, à la limite, un truc que je devrais faire ici, c'est un chemin à la limite qui va jusqu'à là-bas. Ah, je vais faire ça. Bah, je vais peut-être devoir retourner jusqu'à ma base pour choper un seau de lave, mais bon. Du coup, bah, je vais aller faire un petit seau de lave, vite fait, tranquillou. Et puis, du coup, bah, on retournera à l'attaque des creepers qui sont là alors. Cool, j'ai pas besoin de retourner jusqu'à ma base, j'ai mis une table de craft ici déjà avant. Et du coup j'avais 3 lingots, je sais plus trop comment je les ai récupérés, mais bon en tout cas je les ai donc c'est cool. Du coup ouais comme ça on va faire ça. On va se faire un seau de lave. Et on va alors comment dire. Ou alors passer un petit coup de chaud, tiens. Voilà. Ils vont prendre quelques vacances, voilà, les petits creepers là, tranquillou. Et ils vont se réchauffer. Voilà. Alors, donc j'espère que je peux juste en prendre depuis les murs. Je sais pas trop s'il a mis des sources partout. C'est vrai que du coup maintenant je réfléchis à ça, mais il a pas forcément mis des sources partout. Ouais. Peut-être qu'il en a juste mis en haut pour que ça coule de partout, je sais pas trop. Ah, nice, il a mis des sources partout. C'est cool ça, cool. Merci, Amelup. Donc ouais, comme ça on va faire ça, on va... pas par là, par là. Ouais, par là. Comme ça on va faire ça du coup. Un petit peu de lave, ça fait jamais de mal. En tout cas quand on l'utilise sur nos ennemis. Et puis voilà. D'ailleurs à ce propos, donc du coup je parlais d'histo, etc. Je vais peut-être oublier, mais si j'oublie pas, je vous mettrai ça dans la description. Au pire vous cherchez Zisto Legendary, je crois que c'est numéro 37. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est ça.
Au pire, on cherchait Zisto, Legendary Advanced Lightning Technique. Ou prononcer bien Crado avec tout bien prononcé à la française. Advanced Lightning Technique. Voilà. Technique d'éclairage avancé, du coup, vous cherchez ça. Cet épisode-là est génial, surtout pour sa fin. Voilà, c'était sur la map Legendary de Vex. Faut l'avoir, faut absolument l'avoir. C'est une vidéo à voir impérativement. Ne serait-ce que pour la fin. Sincèrement, mettez-vous genre allez, à 4 minutes de la fin et regardez jusqu'à 4 minutes de fin de la vidéo si vous voulez pas vous, tout vous taper. Et vous comprendrez pourquoi. Bah déjà, vous verrez de mes sources d'inspiration. Et en plus de ça, ouais, vous verrez un montage de fou, parce que c'est un montage de malade qui s'amusait à faire, mais je spoil rien. Ça. Moi, j'aurais peut-être pas besoin de lave en fait, parce que du coup, ouais, je viens de réfléchir à ça, mais je les ai fait despawner en faisant ça. Je vais m'en débarrasser à l'ancienne. Voilà. Et on va du coup réappliquer la même technique que précédemment. Voilà, on va les empêcher de passer. D'accord. Ah, je crois que j'ai. Je crois que j'ai. On peut péter leur bloc apparemment de TNT en faisant ça. J'ai l'impression en tout cas. C'est l'impression que ça me donne. Alors après, je suis pas sûr non plus, mais bon, c'est l'impression que ça me donne. Ah, coucou! Bob normal, surprenant. Aïe, voilà, ça déjà c'est un petit peu moins surprenant. Meurs s'il te plaît, zut, raté. Meurs, meurs, voilà. Et à lui du coup là. Bon, on va déjà faire ça. Voilà. Ça au moins, ça spawnera pas là-dessus. Ah, c'est bon, il est mort. Oh. Qu'est-ce donc que ce délire? Là, je vais casser ça. Reprendre ça là. Reposer rapidement quelques escaliers pour pouvoir passer plus facilement après. Ah, moi j'en ai plus beaucoup par contre, c'est dommage. Mais bon, ça fera déjà l'affaire. Oh la vache! Est-ce que du coup ça marche, pense? Ah non, en fait, donc, je suis arrivé. Ici, il va falloir qu'on éclaire ça comme on peut. Pars toi, pars s'il te plaît, pars. C'est quoi ce délire? Technique alternative, voilà. Technique dit grinder. Nice. Et donc du coup on va continuer à monter. Il faudrait que je continue à éclairer, ouais. Voilà. Ici, ici. Oh là 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 là, quand ils font flipper eux. Bon, limite, c'est vrai que pour le coup, là, le saut de lave un petit peu. Voilà. Ça marche bien, ça. Ouh, par contre, ça faut que je fasse gaffe. J'ai entendu une TNT se déclencher. Ouais, c'est ce que je pensais, zut. Bon, bah tant pis. Donc, celle-ci, du coup, va se déclencher, à mon avis. Ouais, bah ouais, forcément. Voilà. Ouais, bah, va falloir qu'on essaie de passer par en haut. Cette zone-là, j'en suis pas un grand fan. Alors autant la zone avant, j'aimais bien que celle-là, ça nous oblige beaucoup quand même à bridger, c'est pas cool. Bon, tant pis. Parce que je vois pas franchement trop de méthode de la passer sans mourir plein de fois en fait. Et j'ai pas envie de mourir plein de fois, parce que ce serait surtout énervant à regarder. Du coup, bon, c'est peut-être la zone que j'ai le moins aimée jusqu'à présent de toute la map. Ça reste une zone sympa, mais bon, c'est pas très très. Enfin, ça rend pas cool en vidéo quoi. Si je filmais pas derrière, sincèrement, ça me dérangerait pas. Mais bon, c'est pas. Enfin, bref, c'est mon avis. Ça, hop, j'aimerais bien casser le spawner qui est là. Ah ouais, non, mais je pourrais pas du coup. Bon, faut que je casse ça, donc tant pis. Par contre, du coup, je vais poser ça vite fait. On va continuer de faire le tour tranquillement de la pièce. Parce qu'en fait, tant qu'on aura ces deux spawners là, ce sera pas. Je vais faire ça, comme ça, normalement, là, je pourrais les atteindre. Voilà. Ouais, bah oui, forcément. J'étais sûr de ça. Voilà. Ouais, ça, au moins, ça fait ça en moins. Ça fait beaucoup de en moins dans la même phrase. Mais bon. Hop, ici. Je crois que j'ai déjà plus beaucoup de blocs, par contre. Tac.
Tac. Ah, ça va encore, j'en ai un petit peu après. Bon, on va essayer d'économiser quand même un petit peu. Paf, alors là-bas, il nous a déjà mis du grillage. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous aurait mis du grillage? Soit il nous a mis des mobs encore plus balèzes en dessous. Soit... D'accord, j'ai perdu un bloc, c'est ça qui est bien. Voilà, déjà. Quoi est-ce que je vais faire ça? Pouh, voilà. Maintenant, du coup, il faudrait que je récupère un petit peu. Oh non! Oh la vache! Oh la vache! Voilà. Voilà. Ça rejoint. Oh zut. Ah, c'est fourbe. C'est fourbe là le coup du trou ici. Mais ça, du coup, là ça spawnera plus. Ah, c'est bon, il est mort. Éclairage, du coup, maintenant. Voilà. Oh la vache, et ça se termine quand cette zone? Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Qu'est-ce que c'est ce délire? Bon, bah, du coup, on va pouvoir continuer la zone, c'est ça qui est cool. Hop, je récupère un petit peu de blocs parce que j'en ai pas du tout, donc ouais. Ok, hop. C'est parti. Casser le grillage et du coup, y a de la, comment ça s'appelle, la toile. Il va quand même pas nous faire spawner à côté de plein de lave. Non, celle-là est une zone safe. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas la prochaine intersection quand même. J'ai pas eu de laine. Eh oh, ma laine. Rendez-moi ma laine. Eh, s'il te plaît, c'est quand tu veux. Merci. Eh bah si, déjà une laine, ok, d'accord. Tu n'aimes pas jump pad, vous savez, les zones pour sauter. Tu n'aimes pas ma zone de saut, hein? Très bien, bah alors fais-toi ta propre remontée. Cool, des trucs pour faire une remontée. charbon et bois. Nice. Ok. Des fours. Et de la laine. Ouais. Je coule temps. Voilà. Ah, c'est de la laine, Sion. Et c'est là-dessus, du coup, qu'on va s'arrêter pour cet épisode qui commence à se faire pas mal long. Du coup, on fera la rentrée au monument au prochain épisode. Hein. Oh, il y a encore notre ennemi en plus derrière. C'est quoi qui nous donne là? C'est jump boost et résistance. Ouais, pas longtemps. Oh, excellent. C'est ça qu'il appelle jump pad en fait. D'accord. Ah, c'est génial. Ouais, le truc, c'est que ça va être chaud en fait de rester en. Tiens! Voilà. C'est ensuite ça maintenant. Et du coup, maintenant je pourrais accéder par le centre. Ok, d'accord, c'est rigolo. Enfin bref, donc ouais, du coup, comme j'ai commencé à dire, on va s'arrêter là pour cet épisode. Désolé du coup pour les commentaires qui n'étaient pas toujours parfaits, mais bon, c'est super chaud de commenter de se concentrer à ce point-là en même temps. J'ai l'impression que la zone continue. Je sais pas si c'est une sortie ou si c'est une prochaine intersection par là. Mais bon. Bon, maintenant il va falloir sortir de là du coup. J'hésite à remonter par là ou à continuer. Je pense que je vais continuer. Au pire, de toute façon, j'ai pas pris trop de laine. Puis j'ai résisté à des creepers hyper chargés. Donc, des creepers normaux, ce sera pas un souci. Voilà. Ça marche bien, ça. Donc, il faudra des blocs. C'est bon, j'ai des blocs sur moi. Voilà. Voilà, je peux pas le poser. Pars, s'il te plaît. Pars. Non. T'as pas compris. Pars. Voilà. Et toi aussi. Ah, merci. Ouais, j'aimerais bien savoir ce que c'est en fait après. Est-ce que c'est la zone qui continue? Est-ce que c'est la prochaine intersection? Allez, allez, gars, on meurt s'il vous plaît. Oh là là, en plus ça continue de spawner quoi derrière. Bon, bah tant pis, on va faire cette méthode là du coup, qui est lente mais bon, qui marche bien. Je vais poser un petit mur là. Voilà. Et j'ai cassé mon épée, non. Oh zut, j'ai pas fait gaffe à ça. Ah non, elle est là. Ouch. Mais alors, c'est quoi que j'ai cassé? Ok. J'ai absolument pas pigé ce qui vient de se passer. Ah zut, il va dropper cette TNT, lui.
Ah, ça c'est pas bien ça. Ah, c'est bon, ça peut péter partout. Du coup, ça je remets comme ça. Voilà, que ça ils peuvent pas passer. Comment est-ce qu'on va faire pour passer là? On va falloir poser des blocs en fait. Allez, dégage-toi s'il te plaît, toi aussi. Merci. Voilà, merci. Et tac, voilà. Non, tu meurs. Tu meurs s'il te plaît. Voilà. Zut. J'ai l'impression qu'en plus il spawn au-dessus, donc ça c'est pas cool ça. Faire ça rapidement, ça normalement sera bien éclairé. Ah d'accord, ouais, il y a plein de spawners par là en fait. Hop, c'est pour ne pas spawner ici. Il y a un spawner encore là aussi, donc c'est cool. Par contre, les autres ont pété. Celui du coup, je vais pouvoir le péter aussi. Ah, il en reste encore un derrière. Hop, voilà. Et de nouveau, du coup, technique ancestrale, voilà. Je prends le moins de risques possible parce que j'ai pas envie de mourir à cause d'un creeper là. Donc, et ouais, comme je disais, dans. Soit du coup dans l'épisode précédent, soit peut-être que je vais vous coller ça en bonus, tiens, du coup, je sais pas trop. Parce qu'en fait, dans l'histoire, j'ai pas enregistré d'intro encore pour cet épisode-là. Mais bon, comme je disais, du coup, dans potentiellement l'épisode précédent, ou comme je disais précédemment, du coup, tout court, pour ce genre de zone-là, de toute façon, je vois pas trop comment est-ce que je pourrais la traverser autrement, en fait. Parce que clairement, c'est absolument débile. Ouh, ça, c'est pas cool, ça. C'est absolument débile d'attaquer comme un gros malade ce genre de zone-là, en fait. Donc, du coup, autant y aller tranquillement. Voilà. Ici, il n'y avait pas un. Non, il n'y a pas de spawner, ça va. Ça, par contre, j'aime pas trop cette disposition là. Ensuite, je veux pas poser de bloc au fond. S'il pouvait juste arrêter de bouger, par contre, il m'énerve là, bouger comme ça. Voilà. Ça, j'aurais moins de mal à le toucher. Et comme ça, du coup, grand classique. Voilà. Il est pas cool lui. Ça marche pas en fait, non, le coup de l'arc. Donc, je sais pas trop comment ça se fait qu'il avait paumé cette TNT à l'être. Ah, lui il en a pas déjà. Bon bah tant pis. Hein. Ouais, du coup il va dropper cette TNT ici quelque part, non? Bon, il en avait plus. Ah non, bon bah, pour une raison ou une autre, il n'y avait plus de cette TNT. Pourtant j'ai pas rêvé, j'étais sûr qu'il y en avait une dessus, mais bon. Voilà. Hop, casser ici au moins, c'est tout safe. Et comme ça ici je fais ça et je vois encore du spawner derrière. Ok, ça va pour le moment, c'est tranquille. Et du coup de nouveau de l'éclairage. D'ailleurs en parlant d'éclairage, je suis bientôt au bout de torche, j'en ai encore plein donc ça va. Et c'est reparti pour un tour. Je me demande qu'est-ce qu'il y a après du coup. Zut, ça c'est pas safe par contre. Ouais voilà. alors déjà éclairage un petit peu. Bonjour. Là. Salut! Ah zut, il va la dropper cette TNT. C'est ce qu'on le veut par contre pour péter. Voilà. Ok, c'est bon, ça a fait péter l'important. Ah, pff, par contre, ça en a fait péter un deuxième. Oh, excellent, je peux récupérer les TNT comme ça. Aïe, il y en a une deuxième qui a explosé derrière. Bon, bah, du coup, rebelote, voilà. Zut, qu'est-ce que tu fais? Wow! Oh, reste à vous. Salut! Ça va? Bonjour! Voilà, par contre, ça m'énerve qu'il nous fasse spawner. Qu'il nous fasse spawner dès comme ça. Voilà, ça va repéter dans 2 secondes, je sais, mais bon. Je m'attends à une deuxième explosion, voilà. Bon, tant pis. Aïe! Aïe! Et zut! Ouille! Et oui, la deuxième! Ouille aussi, voilà! Bon, et des fois, quand même, faut savoir rusher, hein. C'est bien beau de jouer prudent, mais bon. Voilà. Et alors, du coup, par là, qu'est-ce qu'on a? De l'obsidienne, encore du creeper! Oh, c'est quoi ce délire? Merde! Merde aussi! Merde! Non, toi, tu trouves là! Bon, rush! Voilà! Ouille! Non, 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 non! Ok!
Ok. Je n'en solo. Ouais, je t'ai entendu lui. Voilà. Nouvelle intersection. C'est bien ce que je pensais. Ok, il y a pas mal de creepers, donc c'est pas safe du tout par contre. Alors bah. Voilà. Celui-là et celui qui est là-bas. Voilà. Maintenant c'est safe. Voilà. Oh la vache, eh. Il déconne pas à me le non plus quand il veut. Ah bah. Azaria Nero. Ok, bah le truc c'est que je peux pas faire de commerce avec toi parce que je pense pas que le bug a été corrigé depuis. Donc du coup si je fais du commerce avec toi tu vas me faire crasher mon jeu. Donc non, désolé. Ah par contre ouais, du coup c'est cool, les creepers ils ont tout fait péter ici. J'en vois un autre là-bas qui a planté le creeper, je vois un coffre aussi là. Un peu plus haut. Bon ok, il bouge pas trop. Va refaire un chemin du coup. Bon en tout cas c'est cool, du coup quatrième intersection. Il nous reste encore une laine à la troisième, mais bon c'est déjà bien. Je pense qu'ici il va nous mettre sûrement un bouton d'accès aussi quelque part pour pouvoir retourner à la base plus facilement, enfin au monument je veux dire. Et s'il est sympa, peut-être qu'il va nous faire du coup pareil un bouton d'aller-retour entre ici et le monument. Hop, comme ça voilà, je peux tout éclairer tranquillement. Pif. Et ouais donc du coup lui, bonjour. Ah voilà c'est ça donc. Pareil trajet rapide jusqu'au monument et on va aller voir rapidement du coup les zones. Bon en fait ouais du coup je pense que je vous ai mis ça en bonus à la fin de l'épisode Lacerator niveau 4. Cool, ça fera que j'aille voir après. Alors Hypercharged, on en revient. Enfin on en revient. Under your skin, sous votre peau. Oh, avec une chauve-souris qui sort et tout pile poil au moment. Valley of Thunder, la vallée du tonnerre. Et Death from Above, la mort qui vient d'en haut. Ok, bah ça c'est cool. Je vais voir vite fait le lacérateur. On va aller déposer la laine et du coup, bah, je vais terminer cet épisode qui aura exceptionnellement duré beaucoup plus longtemps. Mais c'est cool parce qu'au moins, du coup, on en aura fini avec Hypercharge. Au prochain épisode, du coup, on retournera à la troisième intersection pour la terminer, tout simplement. Tout simplement, hein, comme si je disais pas déjà assez. Mettre une torche pour me souvenir que je suis déjà venu ici. Silverfish. Juste pour te pousser dans la lave quoi. Oh il est fourbe Blep. Il est fourbe. Oh c'est fourbe quoi. Oh la vache. Oh la vache. Oh waouh. Il est fourbe mais il est sympa quand même en fait. Blep, j'ai toujours dit du bien de lui. Donc voilà. Ah, tous les trucs qu'il nous donne quoi. C'est cool ça. Ouais c'est cool, bah, je viendrai prendre ça un petit peu plus tard. Attends, ouais, hop, retourne rapidement. Il passait par où? Mais il était là il y a 2 secondes, comment est-ce qu'il a fait pour aller dans le mur? Ah non, d'accord, il était... Pff, et j'ai du mal à suivre moi aujourd'hui. Ok. On va retourner du coup, ouais, au monument, puis voilà, terminé. Ouh, pas bien ça, pas bien. Non, 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 pas bien, non, 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 toujours pas bien. Voilà. Et... En espérant ne pas cracher comme ça a été la première fois que j'ai utilisé un bouton dans ce genre-là. Boum. Nice, j'ai pas craché. Donc voyage rapide. Creuse. Je me sers de ma pioche à limite. Tant pis, hein. c'est pas trop grave. De toute façon, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas trop grave, c'est juste celle-ci. Paf. En espérant juste que ce soit pas trop long. Ok. Ah ouais, d'accord, ok, on arrive là. Donc ouais, donc ça c'est cool. Et du coup on arrive ici, et c'est nice. Donc du coup on va pouvoir poser la laine Sion et s'arrêter là. Sion, pif, paf. Et maintenant j'en fais un petit tapis. Et je dépose une là, parce que ça en manque ici, tiens ici aussi. Et une là pourquoi pas. Et voilà, j'espère que malgré tout cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut !